Salut à tous, à toutes et bien, épisode numéro 9 de Halo 2 en compagnie de Grand Alf. Bonsoir Grand Alf. Bonsoir. Ouais, t'es badass avec ton lance-roquette. Non, on est complètement badass là, on est des lézards avec des gros calibres. C'est ça. Y'a un monsieur là. Qui n'a pas bronché du tout. Il a vraiment pas eu peur, putain. J'ai encore un fusil à pompe, mais bordel de merde. T'as pris un fusil à pompe toi ou pas? Oui. Y'a un ghost? Ouais, c'est bon, regarde, je l'ai. Wouhouhou! Oh. Attention, il y en a un deuxième derrière toi. Ouais, il m'a tué! Putain. Ouais, je me suis entendu. Non, c'est le sniper qui m'a tué. Oh oh. Ok. Ouch! Ok, c'est bon, je dis. Ouch! En plus, je t'entends fort. Oui, j'entends ça aussi. Ok, ça devrait être bon. J'ai mal à ma dignité là, tu vois. Là, ma dignité elle a pris très cher. Ouais, la dignité. Mais qui me tire dessus? Non, là c'était juste un truc qui a pété. Attention! Il y a une. Ouais, ça. C'est bon! Non, oh, c'est magique. Oh oh. Ennemi ou ami? Bon, ami. Par les anneaux. Arbiteur, les conseillers, qu'est-ce qui... Assassiné par les brutes. Sauvages. Les prophètes n'auraient pas dû leur faire confiance. Oh là là. C'est vrai que déjà dans Halo 2, l'Alliance Covenant est part un peu en éclat. Hein. C'est part un peu à volo, c'est n'importe quoi. En même temps, c'est cool qu'au moment où ils sont sur le point d'avoir leur objectif, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que le système il marche pas, quoi. Ah ouais. Et pourtant, il y a eu tellement de trucs. Des esclavagismes et des esclavagismes tous alliés en les forçant à croire à un truc et quand ils se rendent compte que c'est faux, clairement. C'est normal. Les ingénieurs, c'était des esclaves, les grognards, c'était des esclaves, les chasseurs, c'était des esclaves. Tous à petite dose, c'est juste ils ont eu petit à petit des droits et un peu de pouvoir, tu vois. Mais, les grognards se sont révoltés trois fois quand même. Hein? Les grognards sont les seuls à s'être révoltés trois fois quand même. Les grognards, c'est des ouf. Hein. Bah ouais. D'ailleurs, il me semble. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que c'est après Halo 3, la chute de l'Empire Covenant, c'est la première planète, hormis les élites, qui ont demandé un traité de paix avec les humains. Ah ouais? Les grognards? Il me semble, oui. Et c'est peut-être une connerie, je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100% là-dessus. C'est des héros. Parce que la plupart des grognards de l'Alliance Covenant sont retournés sur la planète d'origine. Ton pote, il allait où? Il est encore en train de se faire bouffer lui. En finir une fois pour toutes. Et cette fois, il y en fait, on est un peu en arrière. Aucun survivant. Oui. Cette structure au milieu de la ville, c'est un vaisseau Forerunner. Ouais. Et le prophète se dirige droit dessus. S'il envoie la flotte Covenant sur Terre, nous n'aurons plus aucune chance. Il faut l'en empêcher. Cette brute a l'index, ainsi que Miranda et Johnson. Il peut activer l'anneau. Dans ce cas, je ferai sauter les réacteurs du In Amberclad, comme pour le Pilar. Cela détruira la ville et l'anneau. Pas très original, mais on sait que ça marche. Non. Il faut quelqu'un pour déclencher l'explosion. Je dois rester ici. Ah bah. Ok. Et alors là, de souvenir, c'est la merde instantanément.
Il y a un deuxième pélican qui arrive. Ouais. Oh. Des vaisseaux parasites atterrissent partout en ville. Ah, gros freeze. Je freeze. Ouais, moi aussi. Non, c'est bon. Cette créature dans la bibliothèque, ce fossoyeur, il s'est servi de nous pour faire diversion. Le Inanverclad était son... Il s'est servi de nous, le fossoyeur. Non, tu crois? J'aurais pas dit. C'est la première fois qu'il le rencontre aussi, hein. Bah oui, mais on fait confiance à un parasite quand même, je veux pas dire, mais... vous allez où les pélicans? Ouais, hein. Y'a pas un pélican qui peut s'arrêter pour nous? Youhou! Je suis pas sûr qu'il soit constitué d'humains, en fait. Ah. Tu penses? Oh bah t'es bloqué! Ah oui, effectivement. Celui-là, c'était pas les humains qui conduisaient. Ouais. Ah oh, putain! Ah, un grognard! C'est toujours dégueulasse les parasites. Attends, tire pas sur les grognards! Désolé. Ou... Quoi? Tu les as tués? Allez! Mais je vous avais laissé en vie par pure bonté d'âme! Ah ouais, mais bon, moi j'ai tué deux de leurs potes, donc je pense que ça a joué. Ah oui, d'accord. Ne tire pas dessus! Ah non, mais j'ai pas fait attention. Ouais. C'est pas un enfer, mais c'est pas la... Ouch! Je crois que tu m'as battu. Non, je t'ai pas... Ben, moi j'ai pas tiré. Je sais pas, parce que j'étais devant toi. J'ai vu un tir, en fait... j'étais pas sûr que ce soit le tien ou pas en fait. Ouais, mais genre, j'étais peut-être bloqué le chemin. Ouais, ça par contre, ça fait aucun doute. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent de comment t'es mort. Épénergie! Ça ou ça? Ah oui, non, d'accord. Tu as eu. Non, elle est là, non, je l'ai pas prise, elle est là. Hein. Ouais, ok. Non, parce que je pensais que tu parlais d'un mec qui avait une épée énergie. Oui, un mec avec une énergie. Mais je l'ai tué du coup. Tu l'as tué. Oh ouais. Trop bien cet épisode, enfin cette musique. Épisode musique. Je me perds. Oh ta gueule la manette. Quoi? Ta gueule la manette. Oula. Oh, j'ai même pas le temps. J'ai pas pu finir la musique. Ah merde. J'ai même pas réussi à parler. Bon, oh, t'es en full freeze toi, non? Quoi? T'es pas en full freeze? Allons nous laisser. Non. Parce que je te voyais regarder le plafond avec insistance. Ah oui, non, c'est parce que juste j'ai mis ma caméra en haut. D'accord. C'était joli. Oula. Nul ennemi n'a su résister. Nous soumettrons le parasite. Il veut soumettre le parasite, vérité, putain, il a tout compris. Ouais, ils ont toujours fait comme ça. Hein. Comme une présence. Putain, c'est super beau. Oh oh. Elle est drôle, on peut pas faire on peut pas être copain. Genre, juste 5 secondes. Je vais repartir par le... Ah non, je peux pas repartir par le chemin que j'ai pris en fait. Okay. Tu marches sur des sports parasites actuellement. Quoi? Non, en fait, t'étais sur un... Il y a un peu de parasites là par terre. Ah bon? Ah oui. Alors moi j'ai plus de balles. Okay. Alors je ne repars pas sans mon pépon, il. Ah. Oui. Ah oui d'accord, non, c'est normal. Hein. Allez, on tire en driftant. Ouais, c'est stylé ça. Je drifte trop vite pour toi. Wouhou. Mmh. On voit rien. Pourquoi les drones ils ont des putains de needlers? Je sais pas. On voit rien par contre. En vrai c'est grave logique. Ils ont raison. Ah merde. Mais putain. Jamais ça s'arrange. En vrai par contre les épées énergie c'est fort contre les parasites.
Ouais, ça toutes contre, les autres formes de vie, c'est de la merde, mais contre le parasite, c'est bien. Ouah, non, t'es déjà. Ah, dans celui-là, je suis désolé, c'est naze. Hein. C'est moins bien, c'est bien. C'est Arnaud, putain. Ah, ok. Oh putain, t'es... Mais le pire, c'est que t'es vert, mais comme le parasite, du coup, j'ai failli te caler un coup de fusil à pépon au plus important alors que t'as plus de shield. S'il te plaît, vite. Mais en fait, heureusement que tu rechargeais ton bouclier parce que sinon, je te calais le coup. Ok, donc si je suis pas en train de recharger mon bouclier, j'ai des chances de mourir. D'accord. Exactement. J'ai une petite. J'ai un petit truc vert au-dessus de moi. Oui, bah, je le vois pas tout le temps. Attention, il saute d'en haut. Ah ah. Comme d'hab, le parasite. Oula! J'étais propulsé là où j'avais pas trop envie d'aller. Ah, je suis mort. Ok. C'est pas trop la merde. Oh, on voit rien par contre, c'est terrible. Ouais, c'est un poil relou. À ta droite. Non mais... Ah, t'es mort sur moi. Ah là là. Ouais. C'est terrible. Le fusil à pompe, ça permet de bien démembrer aussi. Ah mais le fusil à pompe, vraiment, y'a rien de mieux contre les parasites. Oh, clairement. Oh. Sympa parce que ça me fait un peu penser aux vieux FPS genre Doom tout ça où souvent tu utilises le fusil à pompe et putain. Votre mort sera un... Ah où je suis. D'accord. Attention, il y en a d'autres. Il m'a one shot. Vache. Alors j'essaie d'écouter ce qu'il racontait. Il y avait Vérité et le prof... Vérité et Fossoyeur qui se causaient, donc du coup j'écoutais ce qu'il se racontait. C'est pas par là qu'il faut aller, mon cher. Mon cher. Il fait énergie là-bas. Ah, il a un bouclier en plus, tu feras gaffe. Je pense que j'allais mourir si tu n'étais pas là. Ça me fait plaisir, c'est rare quand tu dis ça. C'est beau. Ouais, tu rêveras plus tard là, il y a un peu... Ah oui, c'est très très beau, effectivement. C'est giga beau. On devrait toujours rêver. Même quand on est en train de mourir. Non, celui-là il marche pas. Bon. D'accord. Yes, il est par là. On n'est pas fatigué. Non, t'inquiète, je baille juste un peu, mais je baille à 24, ça va. Parce que moi je suis vraiment pas fatigué, bah, pour le coup c'est un peu bizarre. Bon, en vrai, ça va. Il faudra juste que je me prenne un truc à boire, je pense, à la fin de l'épisode. Ouais. Pour me remettre un peu d'aplomb. Mais en vrai, ça va. Pareil, moi il me faut un truc à bouffer. Mais en fait, j'ai déjà un truc à bouffer, mais il est pas assez bon. Ah oh putain. Qu'est-ce que vous cliquez quoi? En fait, j'ai l'épée énergie qui m'a. Voilà, tu vois. Oui. Le problème, sauf que quand. Sauf qu'en fait, il est arrivé au corps à corps et j'ai pensé que je l'avais pas tué. Ah, d'accord. Mort. Bah, ok. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des moments où on loupe avec l'épée énergie. Bah, ouais, ça m'étonne pas.
Ah là, par contre, la nouvelle version est, plus, est dégueulasse par rapport à l'ancienne. Oh, ah ouais, d'accord. Non mais c'est vrai qu'en ancienne version déjà, ça fait bien flipper en fait. Bah non, en ancienne version, c'est mieux pour une fois. Je sens que t'as pas aimé le pour une fois, n'est-ce pas? Le quoi? Je sens que tu n'as pas aimé le pour une pour fois. Le coup. Non, mais non. Non, le pas le pour c'est... le coup, le pour une fois. En vrai, je suis d'accord pour certains trucs, il y a vraiment des trucs qui sont plus beaux dans la nouvelle version. Mais juste genre, la première fois je l'ai fait en nouvelle version et je sentais qu'il y avait des choses que je loupais un peu. Redescends. Que... Ah, ah, ah. Bon bah écoute, à plus hein. Non c'est bon, regarde, non c'est bon, regarde. Ah, ah mais tiens. Ok, c'est bon. Voilà. Et ouais, donc en fait je sentais que je loupais, tu vois, peut-être les couleurs, certains détails, certains trucs qui sont faits dans l'ancienne version. Qui sont un peu cachés et tout, et qui donnent un peu le, qui ont, tu vois, qui ont fait le côté halo beau et de l'époque quoi. Ouais. Donc, le charme du vieux en fait. Donc ouais, donc tu vois là, je fais les deux versions. L'ancienne version est très très belle aussi malgré les textures un peu dégueu. Genre. L'ambiance elle est trop bien. Donc, du coup, je regrette. Ah, ah putain de fils de chienne de cul de crotte de cul. Ah oui, je suis d'accord, vérité, c'est infernal. Les parasites, les armes covenantes marchent vraiment pas dessus. Hein, c'est. Oui. À part les PNRJ, on a aucune qui marche. Mais c'est marrant parce qu'elles sont inspirées des armes Forerunner donc. Quelque part, bah, ça fait sens. Pas vraiment, puisque les. Putain. Pas vraiment, puisque les Forerunner utilisent de la lumière solide comme, comme cartouche. Les. Comment on utilise du plasma. Ouais. On n'est pas vraiment sur le même système de, d'armes. Ouais, mais c'est parce que je sais par rapport au fait qu'ils sont, ils ont inspiré la plupart des technologies de, des trucs Forerunner. Il est où? Il est mort. Ah, c'est vrai quoi, les munitions, non. Les munitions, c'est pas la même. Non, les munitions, c'est rien à voir. Même dans le style, je sais pas. La parce plupart que des technologies, c'est un. C'est, oh. C'est les premiers humains. Oh, oh, une épée énergie légendaire, c'est quoi c'est... Comment ça légendaire? Bah je sais pas, regarde, il y a une épée énergie en plein milieu, là c'est très épée énergie légendaire. Ah. Je peux plus bouger, ouais. C'est normal. Ah non. Ouais, c'est moi, j'ai changé de version. L'ascenseur vous mènera en haut du conduit, vite. Non mais ouais, finalement je préfère quand même l'ancienne version, ça a de la gueule. Oh, il y a un terminal là. Oh, ça lag. Ouais. Oula. Okay. Casse-toi, voilà. Hop. Ah par contre, il est où ton ascenseur Cortana là? Là-bas. Là. Attends mais c'est... Non là, là. Non là ça non, on vient. Sérieux? Bah non, je crois pas. Non pas là, pas là, pas là. Mais là où j'étais. Attends, je vais tester. Ouais c'est par là. Non, par contre, il me semble que c'est la première race humaine qui utilisait de la lumière solide comme arme. Comme munition. J'en sais rien, on verra. Tu vois ça dans l'un des premiers terminaux de Halo 1, il me semble. Oula, on s'est pris un laser vert. Ah oui, le touche pas. Fais gaffe! Ok. Attention. Oh bonjour. L'heure est venue. Ça, ils s'en battaient les couilles de toi. Du voyage qui fera de nous tous des dieux. Vous connaissez le plan. Vous devez arrêter vérité. Je m'occupe de l'index. Allez. Le problème c'est que je me bats que à l'épée énergie là, j'ai plus d'armes. Je vais chercher une autre. Ouais. Ah c'est un mais vite, yes. L'heure.
Hop là. Oh le sprint que j'ai fait. T'as fait un truc. Je dois rester ici, Major. Les techniques de speedrun. Allons-y. Oh la vache. C'est impressionnant ça. Putain mais même en ancienne version ça défonce quand même, putain. Oh ça passe crème. Major, une fois sur Terre, bonne chance. Une fois que j'en aurai fini. Ne pas faire de promesses à une femme, si on n'est pas sûr de la tenir. Bon, on est d'accord, avec le décollage, ils ont défoncé la ville. La ville est un peu en train d'être défoncée, je t'avoue. Ouais, donc ils s'en battent les couilles, c'est pas fou. Bon, on retourne sur Terre. Grand voyage. Donc là, on repart sur l'arbitre. Ouais. J'ai gagné 3 succès d'un coup. Ouais, pareil. C'est vrai que les succès, putain, tu les engranges. Et tu dois être à 130 succès. Et puis c'est... Bon, en vrai, c'est pareil que sur Xbox. Quand tu finissais la campagne, t'avais genre 6 succès d'un coup, parce que vous avez fini la campagne en facile, normal. Difficile, héroïque d'un coup. Ouais. Héroïque, légendaire. Et là, en plus, on a explosé les scores et les scores de temps. Donc, Ah ouais ? Bah moi, ouais, ouais j'ai eu les succès de scores de temps et... Ah, spécial. C'est vrai que moi, j'avais déjà fini en héroïque, donc je suis pas censé avoir de succès, mais là... À l'endroit où le conseiller voulait assister à la consécration de l'icône, au début du grand voyage. Cette clé ne doit pas être utilisée. Nous devons la trouver. Je dois entrer. Alors allons-y, Arbiter. Je sais comment ouvrir ces portes. En fonçant dedans avec l'apparition. Non, ça c'est ta technique. Eh ben, c'en est une très bonne. Bon, de toute façon, ça a toujours marché jusqu'à présent. Oui. Yes, il y a un véhicule que j'aime bien. Ah bah d'accord, le mec il s'est jeté sur la barre du monde. Bah écoute... Dégage le capitaine. Pourquoi ? Tu l'as viré alors que c'est un personnage trop important. Bah oui ! Allons-y, je vais te faire écoute. que ce véhicule là il y soit pas après. Bon après il y a le proleur, en vrai c'est à peu près pareil. Mais... Ah non, en fait le crawler était plus sympa en fait. C'est vrai que. Mais bon le spectre est quand même. Ah il y a une apparition. Ouais, une apparition de là d'où je viens. Ah le bourrinage quoi. Attends, monte dans mon truc. Ah ouais, non, ça passe. Okay. Wow. Attention, il y a encore l'apparition. Ouais, je sais. Putain, elle m'a eu. Au moins, je respawn vite. Attends. Ah oui, t'as respawn la base. Wouhou. T'es sûr? Okay. Ah non, arrête de tirer, connard. C'est bon. Okay, c'est... Alors, on va où? Avec tout ça, je suis perdu, moi. C'est par là où je suis. Alors, attends, il y a un truc juste derrière. Je peux faire pas te dire parce que c'est. Voilà. Ah oui! Ah oui! Oh le beau! Oh le beau! Il est avec... Dis-moi qu'il est avec nous. Je sais pas encore. Il y a un fantôme. Oh, ce tir que je lui ai calé. Ok, je ferai gaffe, il y a une autre apparition. Apparition. Ouais, je vais le faire. Si tu peux occuper le fantôme, ça m'arrangerait. Alors, les fantômes attaquent le scarab, j'ai l'impression. Enfin, les apparitions attaquent le scarab. Ah. Okay. Attends, je passe derrière. Ah, je suis mort. J'en ai une. Ok.
Bon, je suis arrivé à l'entrée, mais... Ouais, ça critique ma conduite après. T'aurais tellement pu monter dessus à l'arrière et la péter juste avec quelques... Ouais, mais je peux... De souvenir, ça marchait pas trop, quoi. Non, c'est notre pote, l'apparition, je crois, mais... Ouais. C'est bon, il est mort. Ok, c'est bon, il est mort. GG. Putain, mais... Oula! Ah, attention! Attends, mais c'est nos alliés! Ah, c'est un allié! Désolé! On a la chance qu'il soit cool! C'est bon, il l'a pas mal pris. Il est où? Il est parti. Ah, ça, c'est original, pour ça! Pour lui, c'est comme si... Ah, j'ai pour lui, c'est comme si je lui mettais une petite patate de forain, tu vois, c'est... Waouh! Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est juste les sabres grenades, ok. Ok, c'est une embuscade! Mais quel enfer! Heureusement que les chasseurs tankent! Bon, on a. En vrai, on a des chasseurs avec nous. Ouais. Ça passe, ça passe. En gros, les chasseurs, ils font ramer le jeu un peu là. Ouais. Mais oui, ça fait plaisir d'avoir des chasseurs dans son groupe. Ouais. C'est jouissif en fait. Mm. Ah, il m'avait collé, je suis mort. Okay. C'est vraiment devenu des wikis par contre, les brutes. Ça m'a empêché d'y penser, mais c'est des wikis, je suis désolé. Par contre, ils sont vénères. Oh la vache, les chasseurs sont beaucoup trop vénères. Oula. Oh. S'en battent les couilles. Il les défonce. C'est trop bien. Oh oh! Ok. Attends, j'ai le camouflage, j'y vais. Tu l'as pas. Combat un peu combat ghetto, mais bon. Ok. Y'a des snipers derrière. À l'intérieur, ouais, j'ai vu le tir raté. Attention! Headshot. Oh putain! Ok, c'est bon. Attends. Ouais, tu prends le sniper? Ouais. Et les deux chasseurs sont encore en vie! Ah non, il n'y a plus qu'un. Nice. Ah non, d'accord. Oula. Oh, la musique elle est impeccable. J'en ai pas. Mmh. Alors le chasseur m'a tué quand même. Oula. Oula. Il a assez tendance à s'énerver donc. Ouais, je vois ça, ouais. Ouais. T'as de la musique, moi j'en ai pas. Arnaque. J'en avais genre 5 minutes, mais c'était une très belle. Ouais, musique. Nouvelle ou ancienne, j'en ai pas. Mais en vrai, je pense que le ça va être lui l'arbitre. Quoi? Ça va être ce chasseur l'arbitre, non? Parce que. Ah, je me fais défoncer. Ah non, il est mort! Attention, il y a un fantôme, il va sûrement te tirer. Ouais, je vois ça. Bah, c'est un allié le fantôme. Ah non, pas du tout! Faut arrêter de croire que les gens sont gentils. Aïe, tiens, PG! TTP? Ouais. C'est le bruit du portal qui se fait TP. Badju. Hop là, lui il a compris comment je m'appelais. Ta mère la salope de cul de poule! Je suis décédé! Oh la ragdoll que t'as prise! La mort. Oh là là, putain, on est mauvais. On dirait une musique un peu à la Payday, je trouve.
Ah, je trouve que c'est mieux que Payday. Il y en a qui sont cool dans Payday, mais... Elles sont toutes bien dans Payday. Ouais... Mais je sais pas, je préfère celle-là quand même. Ah, ça m'a donné envie de rejouer à Payday 2. Oh, le retour du chasseur. Ouais, comment on les libère, ceux de mon côté? Tape les ça trucs. Se fait tout seul. Oh, ils sont trop beaux. Ils ouais. sont tellement beaux, les... Les ultras. Les élites qui sont enfermés. Ouais, ouais. Putain, mais... Ils devraient faire un halo, genre... que avec les Covenants, hein. Oui. Trop stylé. Il y en a un avec moi, je veux le libérer. Non mais attends, en fait les PNJ, c'est les chasseurs qui les libèrent, je crois. Bizarre. Bah tout à l'heure il a libéré celui qui est avec nous. Bah, y en a un, je peux partir sans lui, moi. Essaye. Ah non, c'est bon. En fait, il faut casser le petit truc qui est en bas. Ah. Genre ce truc-là. D'accord. T'es là? T'es derrière? Ouais, j'arrive. Non, j'arrive, je suis derrière. Yeah. Ah, mon son était re-up. Ouais. Ah, mon téléphone s'est éteint, merde. J'ai plus le timer. 30 minutes. Ok. C'était pas la peine de me TP. Oh, ça l'a pas tué, quelle arnaque! Ah, y'a un humain! Ah, c'est Johnson! Oh oh! Il est où? Dans le scarab! Ah oui, il est là! Non, c'est pas Johnson! Mais... Y'a un humain qui est monté dans le scarab! Hein. Ah, dans le scarab, ok. Y'a un humain qui est monté dans le scarab! Parce qu'il y avait un humain là et il était vert! Ouais! Oh la musique! Je t'assure que c'est réciproque. Mais si on ne fait rien, cet abruti va activer l'anneau. Et on va tous mourir. Tartarus s'est barricadé dans la salle de contrôle. Ça tombe bien. J'ai justement la clé. Allez, prends un banger, couvre-moi. Tu ne comprends pas qu'on arrive. Oh là, tellement classe. Yes. Deux des meilleurs persos qui s'y. Ouais. Qui discutent. Là, les launchers sont là. Ouais. Oh yes. Merci les bros. T'aurais pu me la garer droite. Vous oublierez jamais. Votre sacrifice aura été entendu. Et du coup, elles sont violettes. Elles étaient jaunes au début du jeu. C'était les Banshees des hérétiques. Ouais. Ils ont un skin spécialement pour eux. T'as vu, regarde, il y a le vaisseau de notre pote là-bas. Oh. Ah la la. Alors, comment on change d'arme? Ça m'avait manqué quand même, les scarabs. Hein. Surtout que là, le scarab est avec nous encore une fois. Oh là, les frises! Alors, tu fais les roquettes, c'est avec B. Ouais, t'inquiète, j'ai trouvé. Ok. Et tu peux faire des petites roulades. Enfin. Alors, comment? Des roulades, mais... Parce que tu te rappelles la dernière fois que j'ai tenté. Non, mais. Oh. En gros, si tu fais A dans une direction, t'as des petites esquives. Ah putain, avec A, ok, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, à l'ancienne. Oh, le scarab, il est un peu lent, hein. Oui, bon, ouais. T'es parti où, toi? Attends, est-ce que je peux me poser dessus? Ouais, j'ai trop envie de me poser dessus, mais j'ai peur que je perde ma banshee. Mais il y en a une autre par terre, il y en a une autre en bas de banshee. Ah ouais. En vrai, j'hésite. Ah bah, je suis mort. Bon, ils sont assez vénères. Ok, bah alors tu peux. Il y a la Banshee qui est derrière toi. Yep, ouais. Et moi, la mienne, elle est pétée, donc je vais me mettre sur le. Je vais essayer de me caler sur le scarab. Ah, vas-y. Putain. Ah non, jamais. Non, je suis mort. Bon, moi aussi. Les tourelles font beaucoup trop mal.
Ah, alors, c'est cocasse. Attends, ouais, attends. Ah oh merde. Bon bah je suis mort. Attends, essaye de me poser dessus. Non, encore mort. Ah non, je suis en bas. D'accord. C'est tellement beau. T'as une banshee derrière toi. Ah oui, bien sûr. Ok, moi je suis dans le scarab. Et bah, devine quoi, l'apparition l'a défoncé. Attends, j'ai tenté de te là. Ah, c'est ouf. Non, attends, c'est vraiment de te beau la pousser avoir pas. Dans oh, mais mec, mais dans dessous, franchement, genre c'est insane. Le truc est super grand et je le trouve limite encore plus beau que le scarab du 3 parce que quand il tire, c'est une version un peu ancienne du scarab, donc t'as des bouts de plasma qui coulent une fois qu'il a tiré et qui tombent par terre. C'est un truc de ouf. Moi, je suis dessus, donc je vois pas trop ça. Mais si tu regardes, si tu peux essayer de voir au sol, sous le scarab, tu vas voir. Ça m'a l'air compliqué. Et pourtant, je suis sur le canon. Ah. Ah bah, je suis dans le canon. Ah, c'est un problème, ça. Ça peut causer des soucis, c'est ça. Pas c'est un problème. Écoute, je vais y rester, j'attends qu'il tire. Ok, qui est bon, c'est non, tu n'as pas envie de me tirer dessus. Eh hey, bon d'accord. Oh la vache. Oh le bug. Oh putain de merde. Oh je vois mon corps. Oh je suis mort, ouais c'est bien ce qui me semblait. Et regarde. Oh la vache. Oh j'ai été projeté. Ah mais oui je les vois les trucs de... Je suis mort. Ça rend tellement beau. Ouais. Bon. Peut-être arrêter de s'extasier et avancer dans le jeu. Oui bon. Moi je promets rien. Oh l'esquive à la Skyrim que t'as fait par contre là. Le petit... Oh, sur la droite. Oh, tu m'as raté. Oh, tu m'as raté. C'est cool que le scarab ne me tire pas dessus. J'apprécierais. Hey, sprint, 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 bâtard. Voilà. Allez, t'en sors. Ça va. Attends, je récupère mon épée énergie. Vas-y, vas-y. Et c'est bon. Parti. Il y a encore ma banshee sur le scarab. Sérieux? Mais regarde, regarde sur le toit du scarab. Mais comment elle tient? Je sais pas. Je sais pas, mais elle tient. Attends, toi, tu veux reprendre le... la banshee ou pas? Oh. On a envie, toi? Ouais. Bah prends-la, vas-y. Ok. C'est bon, l'apparition était entièrement réparée. Mon apparition était entièrement réparée. Ça me perturbe ton histoire. Eh mec, ta banshee elle est encore là. Hein. Bah oui, je sais, je sais. C'est n'importe quoi. Si jamais la tienne est pétée, tu peux te poser sur le scarab et récupérer l'autre. Ouais, c'est ça. Et bah voilà. Hein. Bah ça y est, j'ai réussi à la péter en 2 secondes. Oh, par contre, faut que je me pose. Oh yes. Ok. Je suis ouais, sur le scarab. Il y a une autre apparition, il y a une autre banshee. Ok. Ah oui. Oh, je l'ai eu. Oh. Oh. Ah c'est intense quand même. Hein. Ouais. Oh là j'ai eu un lag, ça m'a envoyé dans le mur. Oh là là. Il me fait défoncer. Ah, le scarab il est un peu vénère là, il avance un peu vite. Ok. Mais dans Halo War... Dans Halo War ça s'appelait pas un super scarab ça? Non, le super scarab il est un peu différent. En fait il est beaucoup plus gros et le seul super scarab qu'on voit en fait il est pas terminé en plus. Donc il peut Banshee. Pas bouger. Bon le scarab il va m'écraser là. Ah oui. Oh putain elle se fait dégager. Ah, il continue d'avancer dans une zone où on ne peut pas aller. J'ai gagné un succès qui a l'air un peu raciste, ça s'appelle chasse aux primates. Ah, bah non, c'est des brutes.
Oui, mais ça reste raciste. Alors, je peux descendre, moi? Okay. Ah oui. Et je viens de trouver une... Je me suis posé sur le scarab. D'accord. Moi, je suis derrière avec l'apparition. Je suis encore là. Hein. Ah, et c'est bien fait. Sur le scarab, il y a un champ de force qui t'empêche d'aller à la salle des contrôles. Ah, une banshee. Il y avait une banshee jaune là-bas. Ah ouais? Putain. Bah ouais, ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Attends, mais t'es où toi? T'es là? Je suis en dessous, ouais. Ah, mais attends, mais je vais essayer de descendre là. Il y a une apparition qui est retournée, c'est normal ça? Ouais, c'est moi qui l'ai pété. Ah non, c'est pas normal, c'est pas moi. Mais okay. Y a une brute dessus. Il y a une brute sur l'apparition. Attends, je vais descendre, mais doucement, sur la passe. Attends, viens voir. Il y a grave moyen. Oh, il y a tellement moyen de descendre doucement. Viens vite voir. Viens où je suis. Merde. Attends. Ouais, attends. Donc, regarde, va voir l'apparition qui est détruite. Oh, regarde très... dessus. C'est tellement stylé. T'as vu? Mais regarde l'apparition. Il y a une putain de brute qui est debout dessus. Mais t'as vu? Elle marche tranquille. Que... C'est un easter egg ou... Je sais pas. C'est trop bien. Je sais pas, ça a l'air. T'as une bolchie jaune à ta droite. Ah non, elle est pétée, merde. Ouais, je vais la prendre. Elle est pétée? Ah non, elle est moins, elle marche. Ouais, elle est bien. Enfin, elle a une aile qui boite un peu, mais bon. Elle est une patte folle, mais c'est pas bon. Ouais, un peu. Ah, c'est vraiment stylé, par il prend tellement cher le fantôme. Les gros combats comme ça dans Halo, ça m'avait vraiment manqué. Ils sont invincibles, les fantômes, par contre, ou... Hein? Les fantômes sont invincibles ou quoi? Je crois qu'ils sont invincibles, hein. Ouais. Ouais, parce que vu le nombre de trucs que j'ai mis... Ah, mais je peux pas y aller, moi. Bah, faut que j'aille là-bas. Ouais, bah attends, j'y vais. Ah, si, attends, il y en a une jaune là-bas. Vas-y. Ah putain, il y en a deux qui arrivent dans mon... Il y en a même une là, si tu veux. Où ça? Là où je suis. Je sais pas si on peut la retourner, mais... Ah ouais, ça. Mais elle est détruite, non? À moitié. Ah non, ça. Attends, on va voir. J'essaie de la... Attends, tu me tues. Ah, c'est bon, ça marche. Ouais, c'est parti. Elles sont belles en jaune, genre on dirait vraiment elles sont en or. Ouais, ouais. Et par contre, c'est tellement moyen qu'il y ait des putains d'historiques par là. Déjà, à mon avis, il doit y avoir un terminal qui est planqué quelque part. Je sais pas. Oh la vache. C'est bien défoncé ici. Ah, Johnson, il les a pas ratés. Hein. J'ai été TP par un plaisir. Ah, et là, c'est nickel chrome. Oh. Wouah! Ok, ah, d'accord. Ah, je suis en dessous. Il y en a 5. Non, il y en a une dizaine. Il y a une dizaine de brutes. Il m'a one shot avec un fusil à pompe. Ok, super. J'aime me faire OS, c'est toujours un plaisir. Putain. D'accord, ok. Attends, je vais essayer de flinguer celle avec la carabine. Ok, ça. Il y en a encore une avec une carabine, mais. Culé. Derrière toi, attention. Ah putain de sale cul! Ah merde, moi aussi. Ouais, faut tout le temps bouger avec ces connards. Ah. Ces sabres grenades, vraiment, ils sont vénères. Je vois rien, je suis. Ok, attention. Il y en a encore. Putain! Ah, gna gna gna, ça m'énerve! Ah, ça va m'énerver! De mourir tout le temps pour rien, ça m'énerve. Oh, je suis mal placé. Oh, ta gueule, la manette.
C'est caché. Attends, normalement tu devrais rester. Ah, c'est mort. Ok. Merde, putain. Merde. Non, la manette. Je vais crever à cause de la manette. Ouh. Eh ben. Ouais. Ah, faudrait que je le fasse un jour en légendaire, mais pas tout de suite. Ah, moi je te propose quand tous les halos sont sortis, on se fait un live non-stop, on les fait tous ça, en légendaire. Ouais. Ne brusquez pas le dépositaire. Encore un mot, oracle. Je t'arrache ton bel œil tout bleu. Hein? Ce qui n'est rien par rapport à ce que je te réserve. Tartarus, arrête. Impossible. Lâche cette icône. La lâcher et désobéir aux hiérarques. Même les hiérarques ne savent pas vraiment ce qu'est Halo. Attention, arbiteur, ce que tu dis est hérésie. Ah oui. Oracle, quel est l'objectif de Halo? Simultanément, laissez... Plus un mot. Hé, il secouait pas l'ampoule. Si tu veux t'en sortir en bon état, tu devrais leur dire de se calmer un peu. Vas-y, tu peux continuer. Que sont les anneaux sacrés, exactement? Des armes de la dernière chance, construites par les Forerunners pour éliminer les formes de vie pouvant abriter le parasite. Et ceux qui ont créé ces anneaux, qu'est-il arrivé aux Forerunners? Une fois toutes les autres options épuisées, mes créateurs ont activé les anneaux. Ils ont péri, ainsi que toute forme de vie dans plusieurs galaxies alentour, comme prévu. Voulez-vous avoir plus de renseignements? Tartarus, les prophètes nous ont trahis. Non, arbiteur. Le grand voyage. Oh oh. Ce sont les brutes et pas les élites qui escorteront le prophète. Est-ce qu'ils sont stupides, hein, les brutes, c'est terrible. Ils sont doctrinés aussi. Bon, ils sont déjà pas intelligents de base. Hein. Ils sont déjà pas intelligents de base, les brutes, hein, donc. Oh bonjour! Oh! Ça s'est alors, étonnamment bien Tartarus. Passé! Ouais, Tartarus est très très fort par contre. Vous souvenir? Ah ouais, bah, il a le marteau anti-grave en fait. Ouais. T'es démonté. Ouais, il a un marteau antigrave qui est surviolent. Ah mais attends, je crois qu'il a un bouclier. Oui, il a un bouclier. On va pouvoir le... Ouais. Ah bah il est tombé dans le vide. Ah non. Il est tombé à l'étage du dessous. Ouais, attention, attention. Ok, il est en haut. Ouais, moi aussi. Ok. La manette se découpe toutes les 4 secondes. Ok, il est là. Ok. Bon, Halo 2, c'est le seul où il y a des boss en fait. Ah, techniquement dans le 3, il y a Spark. Et il ouais. y a des scarabs quoi. Oh! Alors, je suis mort, mais ce que j'ai fait était ultra stylé. En fait, il m'a projeté dans le vide avec son marteau et j'ai tapé un sprint avec l'épée énergie pour revenir sur la plateforme. Mais il m'a tué derrière. Un peu dommage. Ah, dommage. C'est très classe. Je me rappelle plus comment on peut faire pour l'avoir en fait. Mais je crois que Spark et Cortana l'ont dit, mais on les a pas écoutés. Ah, il. Je suis mort. Hein. Ah oui, ils sont à gauche, ils passent tranquillou. Attends, quoi? Genre... Oh, bonjour.
super. Un pur plaisir. Oui, il y a Johnson et Spark à côté, ok. Ouais. Ça va démarrer, comment ça? Merde. Dis pas que c'est un fight qui est contre la montre. Il est où Tartarus là? Il est au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Attention. Je crois qu'on s'y prend pas de la bonne manière. Ouais ouais, je crois aussi. Mais j'ai pas d'idée. Peut-être que plus il tape et moins il a son bouclier. Parce qu'il y a un moment où il a arrêté d'avoir son bouclier. Merde, non, je vais pas monter au troisième étage. Alors, j'en descends, j'arrive. Attends, peut-être s'il monte. Il est monté? Non, attends, je vais tirer dessus pour qu'il monte, mais... Ah, ok, d'accord, je peux pas atteindre le... Ok. Je suis mort. Ah. Ah, il monte. Et il a plus son bouclier, là. Ok, je crois qu'en fait, il faut qu'il prenne l'ascenseur, à mon avis. Ah, c'est possible. Ah, putain, merde. Donc en vrai, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a... Hein? Ah, il y a des brutes qui sont arrivés en renfort. En fait, ce qu'il faut faire... Ouais, ok, c'est... donc il faut descendre, faut l'emmener en bas, et après, faut le faire remonter. Il faut qu'il y en ait un, en fait, qui l'attende tout en haut. Ah, attends, là, il est monté. Il est où? Oh, il est tombé. Ah non, il est tombé au deuxième. Oula, et qu'est-ce qui remonte par contre? Tu le fais monter du coup? Mais il a plus son bouclier là. Non, mais je comprends pas trop comment il fonctionne. Moi non plus. Peut-être juste périodique en fait. Ouais, alors, moi je suis Keblou avec le putain d'ascenseur en fait. Comment ça? Bah en fait je pouvais plus bouger, l'ascenseur m'a bloqué. Ah. Ah non, c'est... Je crois que c'est... Johnson en fait. Ouais. J'ai la même impression. Vas-y, rapproche-toi. Tu peux tirer dessus un peu, s'il te plaît? Oui, complètement. C'est ça. Il est où? Johnson, il est sur la plateforme à l'autre. Ah merde. Ah mais non, mais Johnson il tire dans le mur. Il y en a au sabre aux grenades, fais gaffe. Bah oui, je suis encore mort. J'ai respawn, je me suis pris un coup de marteau, donc Ouais, et il y en a un qui a un fusil à pompe en plus, celui-là. La voir. Ah, j'aime mourir. Non, il est où, Johnson? Ah oui, là, il est où. Oui! Yes! Bon, on n'aura pas son marteau anti-grave, mais... On va pas le prendre. Ça serait sympa, quand même. Dommage qu'on puisse pas le prendre. Ça aurait pu être un beau trophée de guerre. Hein. Ça fait très scène de film d'action, ça. Yes. Ok. Ah, c'est quand même parti. Ok, ça a généré qu'une petite explosion, ça va. Heureusement qu'il a pas tiré, putain. C'est quoi? Une balise. Qui fait quoi?
Communication à une vitesse supraluminique d'une fréquence... Communication avec quoi? Les autres installations. Montrez-moi. Protocole de sécurité. En cas d'extinction intempestive, le système entier passe en phase de veille. Les autres plateformes peuvent être activées à distance. Activées à distance? D'ici? Allons, soyez réalistes. Écoute, Clochette, commence pas. Mais d'où alors? D'où pourrions-nous activer les autres anneaux dans ce cas? Mais de l'arche, bien sûr. Oracle, où est cette arche? Justement. J'ai repéré un contact. Impossible de l'identifier. Il n'est pas des nôtres. Descendez-le. Ici Spartan 117. Reçois, terminé. Isolez ce signal. Major, pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau? Monsieur, je faisais un peu de ménage. C'est punchline. À l'époque, les gens avaient gueulé parce que le jeu est super et à la fin, elle est un peu faite en mode bon bah voilà quoi. Il fait une punchline et puis c'est la fin. D'ailleurs, il y a encore une scène. Ouais. Est-ce que c'est la fin du jeu? Ah! Ce tombe sera silencieuse. Je m'en vais. Mais il reste tant de questions sans réponse. Vous me répondrez, n'est-ce pas? Ok. Tirez. Hein? Tirer. Alors c'est une expression en gros genre dites vos questions. Ah. Genre parler en gros. Ouais vas-y quoi. Do it fagot. Et oui donc je suis. C'est la fin de Halo 2. Ah. Du coup on sait pas ce qui se passe. Putain mais c'est trop chaud. Du coup, il va sauter du vaisseau de vérité. Bah oui. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il saute. Non, pas du vaisseau de vérité, mais du vaisseau Forerunner. Oui, mais c'est le vaisseau de vérité, Forerunner. Le vaisseau Forerunner. C'est ce que je disais. Oui, vérité est à bord. Il a chopé vérité. Et oui. Ouais, et puis on va arrêter derrière, il va y avoir Johnson et l'arbitre, et il y en a un coupé. Et début de Halo 3. C'est vrai que la fin est un peu abrupte. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait tout le reste, genre même les petites missions sont vraiment très sympas, tu vois. Ouais, tout genre, est super complet, la fin c'est un super épique. Et la fin en fait ça te laisse sur ta fin, c'est dommage. Ça te laisse sur un black screen surtout. Hein ? Ça te laisse sur un black screen de l'enfer surtout. Ouais, mais du coup les gens qui ont dû jouer à Halo 3, ils ont dû être tellement contents. Ah, parce que dès le début, ça redevient vénère en fait. Donc bon, bah Halo 2, on aura fait quoi, 8 ou 9 épisodes, je sais pas. 8, je crois. 8, il me semble. Ouais, c'est un peu moins que... 9. C'est un peu moins que Reach, c'est plus que Halo 1, puisqu'on a fait 2 vidéos. Il faudrait c'est que... plus long, non? Je sais pas, parce qu'on a mis 7 heures sur Halo 1. En fait, il faudrait que je supprime les vidéos que j'ai upload pour Halo 1, et que je les redécoupe en épisodes. Et que je les re-upload. Mmh. Je pense que je ferai ça cet été. Bah en tout cas, écoutez, merci. Oui. Vas-y, parlons un peu de Halo 2. Ça m'a bien fait plaisir d'y rejouer, parce que j'avais un peu oublié la fin. Mais il y a des moments où il parle vite, et j'avais pas forcément tout entendu. J'étais tellement surpris par les trucs qu'il y avait, comme un des prophètes qui est parasité. Tu vois plein de personnages que tu ne connais pas. Et en fin de compte, le Halo 2, il est super riche au niveau du lore. Ah bah clairement. Tu vois plein de coins, tu vois, c'est le seul jeu où t'as le point de vue des Covenants. Puis tu te bats contre les brutes, t'as Tartarus et tout, c'est quand même bien sympathique. On voit le Fossoyeur en personne aussi. Ouais, c'est vrai. Alors que dans Halo 3, il est jamais montré clairement.
Et du coup, deuxième fois, enfin pour nous, deuxième fois, mais pour la plupart des gens, première fois où ils s'allient avec le Fossoyeur, en fait. Oui. Bon, ils ont pas trop le choix là, mais voilà. Bah, il est où, il leur a un peu forcé la main, quoi. C'est... Ouais, mais l'arbitre aurait pu dire. L'arbitre aurait pu juste se barrer. Mais bon. Ah, en vrai, ouais. Mais ils auraient pu se barrer, mais je pense que le Fossoyeur les aurait rattrapés avant. Puis il y a peu de chances que quand il sait, enfin quand il apprend que le halo ça peut être une arme, ils se disent bon bah Nick, je me tiens. Hein. Ça lui va manière... pas trop à l'arbitre. Bah non, et puis surtout qu'en plus l'autre, on lui a déjà dit que bon bah ça explose plusieurs galaxies donc. Ouais. Et j'avais vu un mec qui avait parlé de. Alors de tous les parasites, il a fait beaucoup de vidéos de lore et il a essayé de comprendre un truc qui ferait que dans une mission, l'arbitre, tu vois, il passe sur Halo Delta dans un endroit où il y a plein de parasites de partout, et il respire vraiment toute la fumée parasite, tu vois, et d'habitude rien que ça en fait, ça peut contaminer n'importe quelle élite. Et le truc c'est que là, lui, il est pas parasité. Et les gens, ils ont pas trop trouvé d'explication. Mais en fait, je me dis. Peut-être que c'est le Fossoyeur qui l'a voulu. Ouais. Et là, ça serait très malin. Bah oui, ça serait même loin d'être con. Fossoyeur qui dit bon, bah lui, vous ne parasitez pas parce que j'en ai besoin. Et comme il contrôle tout le halo. Alors qu'il contrôle les parasites, bon, là, ça ne donne pas. Ouais. Bon, et bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé ce let's play sur Halo 2. Je m'entends à nouveau en double chez toi. Et on se retrouvera donc dans quelques mois, quelques semaines, je sais pas trop, pour Halo 3. Gros bisous à tous et à la prochaine. Yes. Bye bye. Salut.